Bon, ça n'a pas été mal. Comme je le dis, c'est un jeu. Voilà. Et chaque jeu, il y a toujours un gagnant. Voilà. Tout le découragement n'est pas ivoirien. Parce qu'un lion qui a été déjà blessé, voilà. Si son chemin, il fracasse tout. Hein. Voilà, il fracasse tout. Voilà. On voit actuellement Côte d'Ivoire. On reconnaît la Côte d'Ivoire comme un lion blessé actuellement. Donc tout ce qu'il croise actuellement, il va le fracasser. Il n'y a rien à dire. Je ne m'attendais pas à cette défaite 1-0, mais l'équipe n'a pas de vérité au fait. Tu dois prendre quelqu'un comme le footif, c'est l'entraîneur. Une équipe qui gagne, on ne le change pas. Ceux qui ont joué le premier match, c'est ce genre-là qui devrait passer le match. Mais je ne sais pas pourquoi, quoi. Les têtes, ils aiment jouer encore. On ne peut pas comprendre comment nous jouons chez nous, depuis avoir un tel classement comme ça. Pourtant, on a des joueurs du potentiel sur le terrain, on pourrait les faire jouer. On a joué un match timidement en premier match. Deuxième match, on comptait sur le match. Le niveau 14, le niveau 14. Le niveau de jeu, c'est pas possible. À la tête, il nous faut à l'heure, notre à l'heure. Il faut un marqueur, notre à l'heure. Il nous faut à l'heure. Et on peut utiliser le système de trois défenseurs aussi pour, avec Diakité Ouma sur le côté et Wilfried Tsengo dans l'axe. À quoi Wilfried Tsengo demander et Ndika. Voilà, maintenant apporter des apports aux consultants comme le jeune Konaté Karim, voilà, qui peut apporter de la profondeur. Et comme ça, je pense qu'on va mieux jouer et on aura la victoire, Inch'Allah.